Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir cet après-midi pour commencer la deuxième session du cycle de conférences dites de culture générale, et d'autant plus heureuse d'accueillir qu'on accueille ici à l'Université de Cergy-Pontoise donc Samuel Hayat. Merci beaucoup Samuel d'être là. Je te présente rapidement. Donc, tu es chercheur en sciences politiques. Chercheur au CNRS, ton laboratoire c'est le CELIPOF, un laboratoire associé à Sciences Po, et nous sommes très contents que tu sois là aujourd'hui, aussi parce que tu travailles en particulier sur la question de la démocratie. Donc tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais il me semble, en regardant, en lisant une partie de tes travaux et en regardant ce que tu as fait, que tu travailles un peu aux confins de la sociologie, de l'histoire, et c'est à partir de ce matériau que tu fais de la science politique et que tu te poses la question, entre autres, qu'est-ce que c'est que la démocratie, et que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que la représentation, le mécanisme représentatif fait à la démocratie. Voilà. Et c'est ce que, quand on regarde les ouvrages que tu as publiés, c'est vraiment ce qui ressort. J'en cite quelques-uns. Donc, tu as récemment publié avec Julien Weisbein aux éditions De Bock, Introduction à la socio-histoire des idées politiques. Peut-être que tu auras l'occasion de nous dire un peu ce que c'est que c'est à la socio-histoire pour les étudiants et les étudiantes. Et puis aussi, tu as dirigé avec d'autres, avec Corinne Penaud et Yves Saint-Omer, un ouvrage collectif. Donc un ouvrage collectif, c'est plein de... en général, c'est à l'étude d'un colloque, c'est plein de chercheurs et chercheuses qui écrivent sur un thème commun. Et il était consacré à la représentation avant le gouvernement représentatif. Donc comment les individus, donc les gens qui font collectivité, qui font société, peuvent faire valoir leurs opinions, expriment leur opinion avant, comment ils faisaient, quelles ont été les différentes manières inventées dans l'histoire pour se faire représenter avant ce que nous connaissons, c'est-à-dire les démocraties représentatives avec un gouvernement, des partis politiques, etc. Voilà. Et donc, dans un des derniers ouvrages que tu as publié, que je présente ici, qui s'appelle simplement « Démocratie » aux éditions Anna Moza, tu dis notamment qu'il est important, qu'il est urgent de repenser la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie ? Et donc, tu réfléchis aux manières que le peuple, notion compliquée, peut avoir de s'exprimer réellement, et comment un peuple souverain peut-il éventuellement exister. Moi, je dis ça à grands traits. Et voilà. Et je pense que ton intervention, elle tombe presque à pic, si j'ose dire, puisque vous savez qu'en ce moment, il y a quand même un fort mouvement de contestation contre la réforme des retraites qui est en cours. Demain, le samedi 11 février, il y a une grosse manifestation contre le projet de loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Et donc, les manifestations, parmi d'autres types d'expressions collectives, sont une des manières, enfin en tout cas étaient traditionnellement une des manières de, pourrait-on dire, faire vivre la démocratie. Et donc, tu as choisi le titre de cette intervention autour de la question de la démocratie. C'est le suivant. Donc, repenser la démocratie à partir des révoltes citoyennes. Et je te remercie encore beaucoup d'être là aujourd'hui à Cergy. Je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Oh, attendez. Merci beaucoup de cette invitation. C'est moi qui suis... ravi de cette occasion de discuter avec vous de la question de la démocratie. Alors d'habitude, quand je suis un peu intimidant, parce que je fais des cours en sciences politiques, donc face à des étudiants et des étudiantes qui ne sont pas très formés en droit, et donc je peux leur raconter des fois un peu des bêtises sur ce qu'est la démocratie représentative, etc. Là, donc, je vais soumettre ce que je dis à votre jugement et à votre expertise. Donc j'espère qu'on aura l'occasion, non seulement moi de vous faire une conférence, mais aussi d'échanger, éventuellement que vous me rappeliez à l'ordre si je dis des choses qui sont pas justes d'un point de vue juridique, d'un point de vue constitutionnel. Puisque mon propos, vous l'avez compris, ça ne va pas être de vraiment décrire les institutions de la démocratie telles qu'elles sont, parce que ça vous les connaissez, mais de m'interroger sur comment est-ce qu'on peut les repenser, comment on peut repenser ce qu'est la démocratie, ce qu'on appelle démocratie, à partir donc
d'une série d'événements qui marquent, à mon sens, la séquence dans laquelle on est actuellement, et qui sont des révoltes citoyennes. Donc, je vais vous dire un petit peu quelques mots, qu'est-ce que j'entends par révolte citoyenne, mais je vais essayer de voir comment on peut repenser la démocratie à partir de ça. Pourquoi repenser la démocratie? Bon, ça c'est un thème qui est très récurrent, je me permets de me lever comme ça je vous vois mieux. C'est un thème qui est récurrent depuis pas mal de temps, hein. On dit qu'il faut repenser la démocratie parce qu'elle est un peu morte, ou elle est un peu à bout de souffle, ou en tout cas ses institutions font l'objet d'une adhésion beaucoup moins forte que ça n'a pu être le cas dans le passé. Ça, on le voit d'abord à l'abstention. Hein. L'abstention ne cesse de monter, l'abstention électorale. Vous voyez, je vous mets ça ici, c'est-à-dire qu'elle a doublé depuis la fondation de la Ve République. Hein. C'est pas rien, un doublement de l'abstention qui va avec une baisse de confiance dans les institutions politiques. Alors, dans mon laboratoire, qui est le CEVIPOF, qui est un laboratoire à Sciences Po, il y a beaucoup de... on fait notamment un baromètre de la confiance, c'est-à-dire on demande aux gens « Ok, en quelles institutions vous avez confiance ?» Eh bien, les institutions dans lesquelles les gens ont alors, le plus confiance, vous avez l'hôpital, la police, l'armée, etc. Et celles où vous avez le moins confiance, c'est les hommes et les femmes politiques et les partis politiques. Les partis politiques, c'est l'institution dans laquelle les Françaises et les Français ont le moins confiance. Hein, on est de l'ordre de 8 ou 9% de confiance dans ces institutions, ce qui va avec notamment hein, la montée de solutions antidémocratiques hein, de la part de partis qui, en tout cas, historiquement, se situent dans une opposition à l'idée démocratique, à l'idée égalitaire, et qui constitue généralement l'extrême droite. Et donc, il y a ce thème récurrent, ce besoin de revivifier la démocratie, mais avec une difficulté, c'est que dès que vous posez la question de comment revivifier la démocratie, vous devez vous poser la question de qu'est-ce que c'est, évidemment, cette démocratie qu'on essaie de revivifier. Et en fait, du coup, vous allez voir, ça met un peu tout en question. Parce que quand on essaie de se demander ce qu'est la démocratie, si on prend d'un point de vue basiquement étymologique, hein, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Hein, c'est un terme grec, hein, vous le savez, qui est composé à partir de démos, qui veut dire le peuple, et kratos, qui veut dire le pouvoir. Mais chacun de ces mots-là, démocratie, qui nous semble absolument évident, en fait, ils ne sont pas du tout évidents. Le mot peuple, ça a deux sens. Le peuple, ça peut vouloir dire l'ensemble des citoyens et des citoyennes d'un pays, hein, quand on dit le peuple français ou quelque chose comme ça. Mais ça a aussi, des fois, un sens social. Quand on dit classe populaire, ce qu'on veut dire, c'est que « peuple » désigne une condition. Et donc, quand on se dit la question de comment redonner plus de pouvoir au peuple, c'est redonner plus de pouvoir à qui? À l'ensemble des citoyens, ou plus spécifiquement, en gros, aux pauvres, aux dominés? Parce que les deux, ça peut vouloir dire démocratie. Hein, le démos de la démocratie, est-ce que c'est tout le monde? Et déjà, quand on dit tout le monde, qui est-ce qui est exclu de ce tout le monde? Hein, puisque vous le savez, le peuple, en un sens, ensemble des citoyens et des citoyennes, ben un peu par définition, exclut les étrangers et les étrangères qui sont sur le territoire national, qui représentent pourtant des millions de personnes. Donc, qui ça exclut? Et puis, quel autre sens de peuple est-ce qu'on peut avoir? Puis c'est encore pire quand on dit, c'est quoi le pouvoir? Parce que ça, c'est des choses que vous savez en tant que juriste. Quand on dit le pouvoir politique, le kratos, ça peut vouloir dire le pouvoir de déléguer, un hein, pouvoir délégué. La démocratie, c'est en gros choisir qui sont nos maîtres, ok. Mais ça peut vouloir dire aussi l'exercice direct du pouvoir, c'est-à-dire l'exercice direct par des citoyens et des citoyennes, par différents biais, comme le référendum, etc. Et vous voyez bien que ces deux sens du pouvoir, c'est pas juste qu'ils sont différents, ils sont contradictoires. Si vous voulez renforcer la démocratie au sens de renforcer le pouvoir des élus, ben, très souvent, ça veut dire enlever du pouvoir aux citoyens, donner plus de pouvoir aux personnes que les citoyens et que les citoyennes ont élues. Et à l'inverse, ben, si vous voulez donner plus de pouvoir direct au peuple, ben, ce pouvoir, il faut bien l'enlever de quelque part. Et on va l'enlever à ceux qui l'ont déjà, c'est-à-dire les gouvernants, les maîtres et les maîtresses du pays. Donc, du point de vue de l'État, et c'est logique, revivifier la démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire ramener les gens aux urnes. Ça veut dire redonner du pouvoir et de la légitimité aux élus qui ensuite continueront à décider de manière tout à fait seule. Mais de ce point de vue-là,
On peut s'imaginer qu'il y a une autre piste, une autre voie, qu'il s'agit, pour revivifier la démocratie, non pas de ramener les gens vers les urnes, mais peut-être de se demander qu'est-ce que cela peut vouloir dire de donner plus de pouvoir direct au peuple, et qu'est-ce que cela peut vouloir dire de donner parmi ce peuple plus de pouvoir à ceux qui en ont moins, au démos, au sens social, aux personnes qui sont dominées du fait de leur apparence, de race, de classe, de genre, bref, de toutes les assignations à des groupes qui se trouvent en situation subalterne ou en situation dominée dans la société. Et donc la piste que je vais essayer de suivre ici, c'est de se demander, non pas pour revivifier la démocratie, de suivre ce que disent les élus, de ce que disent les commentateurs professionnels de la vie politique qui veulent ramener les gens vers les urnes, mais de se demander quelle conception de la démocratie est défendue. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Vous voyez derrière moi. Hein, vous voyez peut-être le sommet de mon crâne en. Bon. Une piste, donc, pour repenser la démocratie, c'est de s'intéresser à ce que disent les peuples eux-mêmes lorsqu'ils entrent sur la scène politique. Qu'est-ce qu'ils disent? Et en particulier, cette question se pose depuis, en gros, une dizaine d'années, puisque peut-être que vous avez suivi, parce que ça correspond aussi peut-être au moment où vous avez commencé à vous intéresser à la politique, au fonctionnement de la société, les années 2010 ont été une séquence assez incroyable de révoltes citoyennes multiples dans le monde entier. La décennie 2010 a commencé, cette décennie de révoltes citoyennes, a commencé avec une révolution en Tunisie, qui commence en décembre 2010 et qui triomphe le 14 janvier 2011, déclenchant un mouvement révolutionnaire en Égypte qui met à bas lui aussi le régime dictatorial qui existait alors, puis un mouvement révolutionnaire en Syrie qui va déboucher sur la guerre civile tragique que l'on connaît, hein, c'est un mouvement révolutionnaire qui commence. Et puis, ça continue à voyager. Quelques mois après, en Espagne, commence un mouvement d'occupation des places qui s'appelle le mouvement du 15 mai. Donc, vous voyez, hein, ça va vite. 14 janvier 2011, on a la révolution tunisienne. L'Égypte, la Syrie, le Yémen et d'autres encore emboîte le pas, et puis ça traverse la Méditerranée, en Espagne, un soulèvement populaire, le mouvement du 15 mai, qu'on appelle parfois le mouvement des indignés, ça traverse l'Atlantique, le mouvement des indignés est copié aux États-Unis avec le mouvement Occupy Wall Street, et on a comme ça une sorte de vague de révolte avec, évidemment, chacune leur spécificité locale, mais une vague de révolte au début des années 2010. Et en fait, pendant toutes ces années, les années qui suivent, vous allez avoir des révolutions citoyennes en Ukraine, au Brésil, et puis un retour à la fin des années 2010, avec, commençant en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, continuant en Algérie, au Soudan, à Hong Kong, en Catalogne, au Liban, au Chili, toute une série de mouvements qui ont une série de points communs sur lesquels je vais un petit peu revenir, mais qui sont à chaque fois des soulèvements citoyens et des soulèvements populaires. Et alors là, je vous ai mis quelques photos, je vais passer très vite. Là, c'est Tunis en janvier 2011, Le Caire en février 2011, Madrid en mai 2011, Damas en novembre 2011. Vous voyez, ensuite, ça passe au Brésil en 2013, à Kiev en Ukraine, la révolution en 2014. Un mouvement, le mouvement des parapluies à Hong Kong en 2014, Paris, Nuit debout, hein. Alors ça c'était maintenant déjà il y a quelques années, mais peut-être que vous vous en souvenez, une autre occupation de place, un autre soulèvement citoyen, et puis le mouvement des Gilets jaunes, le Hirak algérien, Santiago, donc au Chili, Beyrouth au Liban, etc., etc. Donc toute une série de mouvements qui sont très différents, mais qui ont en commun que dans chacun de ces mouvements, alors il y a pas mal de choses en commun. La première chose, c'est que ces mouvements-là demandent tous ce qu'ils appellent la démocratie. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, parce qu'ils demandent la démocratie, que ça soit dans des régimes autoritaires, hein, la révolution tunisienne est faite au nom du pain et de la liberté, de la dignité, mais aussi de la démocratie. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que même dans des régimes qui sont dits démocratiques,
comme l'Espagne. L'Espagne est indubitablement une démocratie. Qu'est-ce que demandent les indignés espagnols qui se soulèvent en 2011? Ils demandent une démocratie réelle. Hein, c'est le mot. Et dans tous ces mouvements, tout au long des années 2010, ce qui est demandé, quel que soit le contexte, c'est une démocratie réelle, avec des aspects politiques, plus de liberté, et puis des aspects sociaux, plus d'égalité, plus de justice sociale. Et donc, toute la question est quel sens est-ce que ces différentes révoltes donnent à cette aspiration démocratique? Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce que ces personnes qui se révoltent entendent par démocratie? Et ça, c'est compliqué de répondre. Parce que toutes ces révoltes ont un point commun qui est qu'ils demandent la démocratie, mais ils ont aussi un point commun que c'est des révoltes qui ont lieu en dehors de toute forme d'organisation. C'est-à-dire, si vous regardez un peu, si je remets les photos, il y a quelque chose de très frappant pour qui connaît un peu l'histoire des mouvements sociaux, c'est que dans ces photos, dans ces manifestations, qui sont des manifestations, vous voyez, des protestations massives, il n'y a pas de drapeau d'organisation. Il n'y a pas, vous voyez, des drapeaux CGT. Si vous allez à Nuit Debout, bon, vous voyez quoi? Vous voyez des gens. Parfois, il y a des petites pancartes, hein, mais c'est des pancartes que les gens ont écrites à la main. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas les syndicats, il n'y a pas les partis politiques. Hein. Ça se fait très largement en dehors des organisations. Et ça, ça veut dire aussi que ça se fait en dehors de ce à quoi on est habitué pour savoir quelles sont les revendications. Hein. On attend des manifestes, on attend des tracts. Toutes ces révoltes, elles se font sans tracts. Alors, il y en a parfois, mais il n'y a pas de manifeste qui émane, vous n'avez pas un manifeste des indignés ou un manifeste d'Occupy Wall Street ou un manifeste de la révolution tunisienne ou du Hirak algérien. Hein, vous avez une série de personnes qui prennent la rue, qui représentent, qui se veulent représenter le peuple tout entier, mais qui, de ce fait, puisqu'ils parlent au nom du peuple tout entier, eh bien, ne produisent pas, ne s'organisent pas, ne créent pas d'organisation, ne créent pas de manifeste, ne créent pas une parole où on pourrait dire « ok, voilà exactement ce qu'ils veulent ». Ils veulent la démocratie, mais ils ne disent pas ce qu'ils veulent dire exactement en demandant la démocratie, sauf qu'évidemment, on peut le comprendre et on peut essayer de le reconstruire, et c'est ça que j'aimerais faire, à partir d'un de ces mouvements, qui est le mouvement des Gilets jaunes, qui débute en novembre 2018, autour d'une protestation contre l'augmentation des taxes sur le carburant, et qui marque un petit peu le début de cette dernière étape de la vague de révolte des années 2010. Donc, comment on peut savoir ce que veulent les Gilets jaunes, ce que voulaient les Gilets jaunes? Alors, on n'a pas, comme je vous dis, il n'y a pas de manifeste, il n'y a pas de représentant, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas, y a pas ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Parce qu'évidemment, une grande partie de l'enjeu du mouvement, ça a été de produire des revendications qui puissent faire l'unanimité parmi les Gilets jaunes. Donc ça, je vais vous les présenter dans un premier temps. Ensuite, je donnerai un peu un commentaire de ces revendications, vers quoi ça va. Et puis après, si on a le temps, je ferai un petit retour historique sur l'histoire de ces soulèvements populaires et comment les Gilets jaunes ça grippe ou ça rime à cette histoire, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, comment connaître les Gilets jaunes, ce que veulent les Gilets jaunes? Ça a été un des enjeux du mouvement des Gilets jaunes que de produire des revendications qui puissent avoir fait un petit peu l'unanimité. Et pour ça, il y a eu plusieurs moyens, et un de ces moyens, ça a été une plateforme qui a été lancée. Donc là, vous voyez Priscilla Ludowski et Maxime Nicole. Priscilla Ludowski est vraiment l'initiatrice du mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est elle qui crée en mai 2018 pétition contre l'augmentation du prix du carburant. Et à côté, vous avez Maxime Nicole, qui est un peu une des figures plutôt de la partie Facebook, qui a beaucoup fait des lives Facebook pendant le mouvement. Et les deux sont à Versailles, devant la salle du Jeu de Paume, vous savez, où il y a eu le serment du Jeu de Paume au moment de la Révolution française. Et ils font un nouveau serment du Jeu de Paume. On reviendra un petit peu sur cette histoire de la Révolution française. Mais donc, Priscilla Ludowski, donc initiatrice du mouvement, décide de lancer une plateforme qui s'appelle le Vrai Débat, suite, vous vous souvenez peut-être de ça, à l'annonce par Emmanuel Macron, le président de la République, d'un grand débat national. Hein, le mouvement commence le 17 novembre
2018, un mois après, Emmanuel Macron dit « Bon, j'ai entendu les Français, je lance un grand débat national et pour ça, je vais faire une plateforme internet, une plateforme numérique du grand débat national. » Or, il existe une institution, évidemment, qui… il y a une institution en France qui s'appelle la Commission nationale du débat public qui a exactement pour but, je veux dire, elle est payée pour ça avec nos impôts, d'organiser des débats. Sauf que le gouvernement refuse de l'utiliser. Pourquoi ? Parce que c'est une autorité administrative indépendante. Et évidemment, le but du gouvernement, c'est absolument pas d'organiser un débat libre, c'est de contrôler la parole qui va être recueillie. Donc ça donne lieu à un petit affrontement, à un petit scandale. Mais au final, le gouvernement crée sa propre plateforme sur laquelle il a entièrement la main et sans aucune garantie, évidemment de validité. Donc face à ça, Priscilla Ludowski, avec d'autres figures gilets jaunes, décide de lancer une autre plateforme qui, elle, serait entièrement libre, c'est-à-dire que tout le monde pourrait venir faire des propositions sur tous les sujets et justifier ces propositions. Et ensuite, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous pouviez aller sur la plateforme et voter pour des propositions, ou voter pour ou voter contre. Et la plateforme a fonctionné pendant quelques semaines, pendant 2 mois, je crois, et à la fin, ben, vous avez eu des dizaines de, je crois, 70 000 personnes, 75 000 personnes qui ont participé, 1 million de contributions et de votes. Et puis donc, on peut avoir une idée, non pas de ce que veut le mouvement, parce qu'évidemment, cette plateforme n'est pas nécessairement représentative de tout le mouvement, mais en tout cas, les personnes qui se reconnaissaient dans le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qui, chez eux, faisait l'unanimité? Parce que, quelles étaient les propositions, si vous voulez, qui ont obtenu le plus de votes? Et ça, c'est quelque chose qui a été analysé, notamment par des collègues du laboratoire Triangle, qui est un laboratoire de recherche à Lyon, et qui ont dit, ben voilà, qui ont regardé un peu tous les votes, et qui ont dit, voilà les 50 propositions qui font le moins débat, c'est-à-dire qui font le plus l'unanimité parmi les revendications. Et je vais vous présenter un peu rapidement ces revendications, donc celles qui émergent de la plateforme du vrai débat. De très loin, les revendications qui sont le plus acceptées, votées, suivies, sont des revendications qui concernent la question politique, qui concernent le fonctionnement de la démocratie. Hein ? Alors que c'est un mouvement qui a commencé sur une question sociale, une question économique, la question d'une taxe sur le carburant. En réalité, ce qui fait le plus l'unanimité, c'est des questions politiques et en gros, qui sont de deux ordres. Premièrement, c'est la colonne de gauche, une série de revendications qui sont en lien avec l'exercice direct du pouvoir par les citoyens. Hein, je vous disais, demos kratos, pouvoir du peuple, ça peut être le pouvoir direct. Une partie de ce pouvoir direct, c'est de demander du référendum. Et ça, c'est une revendication qui arrive numéro 2 hein, dans l'ensemble des revendications, c'est d'avoir un référendum d'initiative citoyenne inscrit dans la Constitution. C'est-à-dire que si un certain nombre de personnes à définir, imaginons 500 000 personnes, veulent porter une proposition de loi, elles puissent passer par voie référendaire sans en passer par l'Assemblée, simplement à l'initiative des citoyens et des citoyennes, comme ça existe en Suisse, comme ça existe en Suisse au niveau fédéral et aussi au niveau des différents cantons suisses. Merci. Donc voilà, vous avez toute une série de propositions à gauche autour du référendum, autour de l'empêchement aussi du pouvoir exécutif d'interférer avec la fonction de justice, bref, pour une assemblée constituante, etc. Et puis surtout, vous avez, et ça c'est la colonne de droite, toute une série de propositions qui, je vais vous les dire juste, en gros, enlever les rémunérations et les privilèges des élus après la fin du mandat, parce que vous savez aujourd'hui, notamment les personnes ayant occupé les plus hautes fonctions, continuent tout au long de leur vie, un ancien président de la République notamment, continuent tout au long de leur vie à avoir une rémunération, avoir un secrétariat, avoir un chauffeur, etc., etc., etc. Donc, la proposition qui fait le plus l'unanimité, c'est d'enlever ces privilèges-là. Ensuite, demander un casier vierge pour les élus, demander à prendre en compte le vote blanc, obliger les parlementaires à être présents à l'Assemblée, interdire le lobbyisme, réduire les privilèges accordés aux parlementaires, interdire les sondages politiques durant les campagnes électorales
et supprimer l'immunité parlementaire qui permet aux députés, enfin qui requiert l'autorisation du Parlement pour engager certains types de poursuites. Donc vous voyez un peu ce programme politique. D'un côté, un peu plus de pouvoir pour les citoyens sous la forme du référendum, et puis d'un autre côté, sur les élus, je ne sais pas comment caractériser ça, mais en gros, c'est des demandes de garantir que les élus soient plus au service de l'intérêt général, moins au service des lobbies, moins au service d'eux-mêmes, qu'ils aient moins de privilèges, qu'ils soient moins démagogiques, hein, que donc ils suivent moins les sondages au jour le jour qu'il y aurait pendant les campagnes électorales, et qu'ils soient soumis à la justice, un peu comme tous les citoyens et les citoyennes, et puis qu'on demande qu'ils soient moralement, ou ça c'est un terrain glissant, mais qu'ils soient en tout cas, qu'il n'ait pas eu de procédure, qu'il n'ait pas été reconnu coupable d'un crime ou d'un délit, et qu'ils aient donc un casier vierge. Et ensuite, vous avez toute une série d'autres revendications, que je vais moins commenter, sur la justice sociale. Avec, là, vous voyez, on est quand même plus bas, hein, c'est-à-dire que tout à l'heure, sur les revendications politiques, c'est vraiment numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 les plus votés. Là, on descend à 5, 6, 7, etc. Mais quand même, ça fait l'objet d'un large consensus dans le mouvement, avec en gros demander, ça c'est la colonne de gauche, demander une fiscalité plus juste, hein, lutter contre la fraude fiscale, indexer les salaires pour faire en sorte qu'en cas d'inflation, on ne perde pas de pouvoir d'achat, baisser la TGA, supprimer le CICE qui est une aide exceptionnelle, enfin une aide aux entreprises sous forme d'exonération de cotisations sociales, revoir l'ensemble des niches fiscales, taxer les transactions en bourse, bref, une fiscalité en gros plus juste. Et du côté de la colonne de droite, là, c'est toute une série de revendications qui en gros veulent améliorer le service public. Donc, une fois que les autoroutes ont été amorties, hein, vous le savez peut-être, les autoroutes, c'est un partenariat public-privé qui sont payés par l'État, mais qui sont réalisées, construites et entretenues par le secteur privé. Bon, une fois qu'elles sont amorties, on les nationalise. Renationaliser l'électricité, le gaz, etc. Mettre fin au démantèlement des relais locaux de services publics, etc., etc. Bref, et quelques éléments d'écologie populaire que je ne vais pas faire. Mais donc, ce que je trouve frappant dans ces revendications, qui sont donc celles qui font le plus l'unanimité parmi les gilets jaunes qui se sont exprimés, c'est que c'est quoi, en gros, la démocratie qui se dessine, hein. C'est pas la révolution. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que si vous mettiez demain en application toutes les revendications des gilets jaunes en matière de démocratie politique et de démocratie sociale, vous auriez un régime qui ressemble un peu à celui qui existe, avec certainement un peu moins d'inégalités et un peu plus de pouvoir citoyen. C'est donc un programme qui est plutôt modéré, qui demande un peu de participation directe, qui demande un contrôle plus grand des élus et qui demande une démocratie plus sociale. Or, si vous avez suivi un peu le mouvement des Gilets jaunes, vous devez vous souvenir que ce mouvement a été vu, à raison peut-être, comme un mouvement très radical. Hein ? Donc on a un mouvement qui est modéré dans son programme, dans ce qu'il veut, donc qui veulent des choses qui ne bouleversent pas l'ordre social, mais en même temps avec des formes nouvelles, l'occupation des ronds-points, les manifestations dans les grandes villes en dehors de tout cadre, et puis, vous savez aussi la radicalité de la réponse policière, hein ? Il y a eu des dizaines de personnes qui ont été mutilées. Ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. On dit les violences policières, ça existe toujours. Bien sûr que ça existe toujours, ce n'est pas une nouveauté avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais là, ça s'est fait sur une échelle qui semble inhabituelle et qui surtout s'est exercée sur des gens, encore une fois, qui demandaient, qui avaient un programme, qui avaient des objectifs qui peuvent sembler assez limités. Et donc pourquoi il y a eu cette espèce de radicalité ? Ben peut-être parce que ce n'est pas ce que demandaient les Gilets jaunes, c'est la manière dont ils demandaient. Parce qu'ils ne le demandaient pas comme, en gros, voici notre série de revendications, mais comme un ordre émanant du peuple souverain. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, et ça c'est quelque chose de tout à fait spécifique à ce mouvement, et spécifique à toutes les révoltes citoyennes des années 2010, c'est que ces révoltes ont été vécues par les gens,
qui en faisait partie, comme étant un soulèvement du peuple tout entier, un soulèvement du peuple souverain qui reprend sa place et qui donc a une légitimité tout à fait supérieure à celle d'un mouvement social classique. Hein ? Ces révoltes se sont vécues toujours comme des révolutions. Je vais faire une comparaison rapidement avec le mouvement en cours. Je ne sais pas si vous suivez le mouvement contre les retraites actuellement, mais c'est un mouvement très gros, mais très classique. C'est-à-dire qu'on est dans la continuité des mobilisations syndicales issues du monde du travail depuis plus d'un siècle. Et en particulier, on retrouve, et même c'est quelque chose qui est une comparaison qui est vraiment régulièrement faite par les journalistes, on va comparer avec le mouvement des retraites de 2008, avec celui de 2003, avec la réforme, le mouvement contre la réforme de la sécurité sociale de 1995. On va dire, oulala, c'est le plus gros mouvement depuis 1995, alors que quand même le mouvement des Gilets jaunes, c'est à peu près 3 millions de personnes, donc c'était un très très gros mouvement aussi. Mais on ne va pas le compter, il va falloir se demander pourquoi, parce que c'est intéressant. Mais donc on a, si on compare le mouvement des Gilets jaunes avec le mouvement contre les retraites, ça permet de mieux faire ressortir par contraste qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ce mouvement des Gilets jaunes. D'abord, c'est un mouvement qui s'est voulu par-delà droite et gauche. Hein. Le mouvement contre la réforme des retraites est un mouvement qui est clairement ancré à gauche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des gens qui votent à gauche à l'intérieur, mais ça veut dire notamment que les syndicats ont exprimé, et de manière unanime et dès le départ, par exemple, que le Rassemblement national n'était pas le bienvenu dans les manifestations. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on demande aux gens leur carte d'électeur et qu'est-ce que vous avez voté, mais par contre, le Rassemblement national en tant qu'organisation n'est pas le bienvenu dans les manifestations syndicales. Chez les Gilets jaunes, ce n'était pas du tout ça. La volonté des Gilets jaunes, c'est de faire venir tout le monde, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, en passant par les abstentionnistes, etc. Et d'ailleurs, le résultat est que maintenant on se met à étudier pour qui votaient les Gilets jaunes, bah, une très grande partie, une surreprésentation, alors que déjà dans la population française, il y en a beaucoup du vote à l'extrême droite. Mais dans les Gilets jaunes, il y en a encore plus que dans la moyenne de la population française. Et cette volonté-là de s'ouvrir à tout le spectre politique de l'extrême droite à l'extrême gauche est quelque chose qui a été très valorisé par les Gilets jaunes et qui revenait beaucoup dans les discours. Deuxièmement, et ça va avec, c'est un mouvement qui dénonçait tous les élus. Il ne voulait avoir de lien avec aucun élu. Aujourd'hui, vous le voyez si vous suivez le mouvement des retraites, ce n'est pas du tout le cas. À l'Assemblée nationale, vous avez des élus, en gros la gauche, qui reprend et qui insiste et qui veut se faire dans l'Assemblée nationale, le porte-voix du mouvement des retraites. Rien du tout de ça avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes refusaient en bloc l'ensemble de la classe politique, dénoncée comme une oligarchie, défendant ses propres intérêts, et qu'il fallait donc moraliser et remettre au pas, d'où les revendications dont je vous parlais. C'est un mouvement, je vous l'ai dit, qui était en dehors de toute organisation. Alors que le mouvement des retraites, évidemment, il s'appuie massivement sur les syndicats. Alors que dans le mouvement des Gilets jaunes, les syndicats n'étaient pas les bienvenus. Ça ne veut pas dire que les syndicalistes ne pouvaient pas être là. Mais par contre, dès qu'il y avait des syndicats qui venaient, ils étaient accusés de vouloir faire de la récupération. Et ça veut dire aussi que ce mouvement des Gilets jaunes, en gros, n'a absolument pas agi, du point de vue du droit, comme les mouvements sociaux existants. Aujourd'hui, quand vous avez une manifestation qui est faite en France, elle doit faire l'objet d'un dépôt en préfecture, elle doit faire l'objet d'une négociation de parcours, elle doit se doter d'un service d'ordre pour assurer l'ordre au sein du cortège. Tout ça, ce sont des choses qui sont des obligations, pas forcément des obligations légales, mais en tout cas réglementairement, c'est une nécessité. Vous devez avoir une personne responsable qui dépose le parcours, qui doit être le contact de la préfecture, etc. Et évidemment, c'est le cas de toutes les manifestations du mouvement contre les retraites. Dans le mouvement des Gilets jaunes, pas du tout. Il y a un refus de discuter, de déposer la manif, de déclarer les manifestations, de déclarer les rassemblements, un refus de négocier avec les autorités, un refus de se doter, même de faire des parcours. Vous savez que ce qui a rendu le pouvoir, ce qui a effrayé le pouvoir, c'est aussi que
les manifestations des Gilets jaunes, c'était n'importe où. C'était l'irruption. C'était on va à un endroit et puis on fait. Ça ne ressemblait pas du tout à une manifestation. Et donc, ça permet de comprendre tout ça. Hein, donc pourquoi est-ce que les Gilets jaunes ont fait ça? C'est pas parce qu'ils ne savent pas faire. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas les règles des mouvements sociaux. C'est un choix volontaire de dire nous sommes le peuple. Et le peuple fait irruption sur la scène. Et ce peuple qui fait irruption sur la scène ne va pas s'embarrasser des règles des syndicats qui, en gros, collaborent avec la police, collaborent avec l'État et qui se plient aux injonctions du gouvernement. Nous, nous sommes le peuple, nous n'avons pas à le faire. Et donc ça permet un peu de comprendre le succès du mouvement. C'est-à-dire qu'en prétendant être le peuple tout entier, bah, de fait, beaucoup de personnes ont participé à ce mouvement. Hein, je vous dis, on compte à peu près 3 millions de personnes qui ont participé plus ou moins au mouvement, mais de manière encore plus frappante, le mouvement a fait l'objet d'un soutien majoritaire durant toute sa durée. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens, vous aviez beau avoir les images des poubelles qui brûlent et compagnie, les gens, ils étaient pour le mouvement. Ils étaient pour le mouvement, ils étaient pour ses revendications durant toute sa durée. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très particulier. Et c'est pourquoi? Parce que justement, c'est un mouvement qui prétendait être le peuple tout entier, qui se soulève et qui demande une fiscalité plus juste et qui demande plus de pouvoir pour les citoyens, qui donc demande plus de démocratie. Mais évidemment, ça explique aussi en partie les limites du mouvement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce mouvement, il a été très très fort. Mais pour rester pur, pour rester le peuple, bah, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de représentants, parce que ça veut dire que vous rentrez dans l'oligarchie. Vous ne pouvez pas vous mettre à négocier avec les autorités. Ils ont essayé à un moment, parce qu'il y a eu une volonté du gouvernement de faire émerger des porte-paroles et de discuter avec les porte-paroles. Ça a duré une réunion. Hein. Et ensuite, non, ça ne va pas. Pour rester pur, il faut continuer à accueillir tout le monde, ne pas avoir de manifeste, ne pas s'organiser, surtout pas de se présenter aux élections. Hein. Et d'ailleurs, les personnes qui ont essayé de se présenter aux élections, elles ont fait l'objet d'un rejet massif. Hein. Il y a eu notamment une militante Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur, je crois, qui a fait vraiment l'objet même de violences. Elle ne pouvait plus sortir en manifestation, alors sur fond de misogynie, etc. Mais elle était vraiment l'objet de beaucoup de violences parce qu'elle avait dit... Bah, il faut bien, on est majoritaire dans le pays, il faut bien qu'on se présente aux élections, qu'on fasse quelque chose. Et le résultat, c'est que l'Alliance jaune, qui était un peu la liste des Gilets jaunes aux élections européennes, elle a fait 0,5% pour un mouvement qui recueillait 70% d'opinions favorables. Vous voyez le problème? C'est-à-dire que si vous voulez être le peuple, le peuple ne se présente pas aux élections. Non, il vote, ok, mais il ne se présente pas aux élections. Et le résultat, c'est que le mouvement... Alors, un peu à... C'est effiloché. Il continue à y avoir des gens qui se revendiquent gilets jaunes, mais le mouvement lui-même s'est effiloché. Et aux élections de 2022, si vous avez suivi un peu la campagne, personne ne parlait des gilets jaunes. On était deux ans avant, c'était un mouvement de masse que n'avait pas connu la France depuis des décennies. Et selon des formes tout à fait nouvelles dans tout le pays, sur les ronds-points, etc. Deux ans après, c'était oublié. Et de ce point de vue-là, une difficulté par rapport au projet initial. Revivifier la démocratie. Comment on revivifie la démocratie à partir des révoltes citoyennes, à partir du moment où ces révoltes citoyennes, pour rester citoyennes, elles doivent refuser toute une série des choses qui font normalement le succès des organisations politiques, des organisations associatives, des organisations syndicales, c'est-à-dire la capacité à s'institutionnaliser, à rester. Et ça, c'est une question qui est aussi vieille que l'idée de souveraineté populaire, qui est aussi vieille parce que c'est parce que cette histoire, cette idée de souveraineté populaire, de demande de démocratie, d'irruption du peuple, elle a évidemment une très longue histoire. Et cette longue histoire, elle est... les Gilets jaunes sont très conscients de cette longue histoire parce que... Donc là, je vais vous montrer des dos de Gilets jaunes. Hein. Donc les Gilets jaunes n'avaient pas de manifeste, n'avaient pas de porte-parole. Par contre, ils avaient des gilets et beaucoup ont écrit... sur le dos des gilets, des trucs.
Alors, il y a de tout. Hein. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Plein le dos, dont une partie des photos sont tirées. Plein le dos, bon, voilà, comme ça se prononce, qui a récupéré des dos de gilets de plein de manifestations dans le monde. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces manifestations, sur ces dos de gilets? On voit beaucoup de références à 1789. Hein, c'est comme je vous le disais avec l'histoire du serment du jeu de paume, le rappel de la Révolution. Et c'est quoi à chaque fois l'idée? C'est de faire une sorte de mise en parallèle entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement et la Révolution française. Avec, donc là vous voyez, hein, 1789, donc parfois c'est juste deux dates. 1789, 2018 ou 2019. 1789 à Balleroy, 2018 à Bas-l'Argent-Roi, Révolution citoyenne. 1789 monarchie, 2019 oligarchie. 1789 plus 230 égale 2019, c'est-à-dire vraiment l'idée d'une résurgence comme ça, d'un événement fondateur, de l'événement de l'entrée en scène dans un peu l'imaginaire républicain de l'entrée en scène du peuple. Attention Macron 1789-2018, etc. Et parfois, vous avez plus de dates. Hein. Ici, vous voyez, 1789, 1870, 1968, 2018, et avec à côté marqué 1848, une autre révolution dont je vais parler un petit peu, et un petit fusil et puis une tête de mort qui rigole. Donc, il y a vraiment l'idée de se mettre, de la part de ces gilets jaunes-là, de ces personnes-là qui écrivent sur leur gilet des références à ce moment historique, il y a la volonté de se situer dans une histoire, de faire partie de l'histoire. Et, ce que je vous disais, de se présenter comme la résurgence du peuple souverain de la République, celui qui a fait la Révolution en 1789. Avec une menace, donc, qui est que si les Gilets jaunes sont les nouveaux sans-culottes, Emmanuel Macron, c'est le nouveau Louis XVI. Et que donc, il risque de lui arriver la même chose qu'à Louis XVI, c'est-à-dire quick, comme c'est marqué ici, avec, donc là, vous reconnaissez la guillotine, hein, qui est un thème qui est très présent dans le mouvement des Gilets jaunes, ce qui est assez inédit hein, dans l'histoire des mouvements sociaux en France. Il y a assez peu de références à la guillotine, en tout cas au XXe siècle. Et là, on a, voilà, quick, Macron, Louis XVI t'attend. Ici, alors que c'est intéressant, on voit une Marianne, donc symbole de la République, qui tient le fil, la corde d'une guillotine, sauf que la lame est remplacée par une carte électorale découpée, ce qui veut dire, vous voyez, hein, c'est très chargé symboliquement, c'est-à-dire qu'en gros, on ne te menace pas de te tuer, on te menace de te destituer par les urnes, mais malgré tout, c'est bien une guillotine qui est utilisée. Ici, une guillotine avec marqué « parce que c'est notre projet », France 1789-2019, nous pouvons recommencer. Avec ce « nous hein, » qui fait une sorte de qui crée un peuple imaginaire, un peuple français qui existerait en 1789 et en 2019, qui est ce « nous », et ce « nous », c'est quoi? Ben, c'est évidemment le peuple souverain. Hein. C'est l'idée, le peuple souverain peut revenir et peut recommencer, peut se débarrasser à nouveau des rois. Et donc, il y a vraiment cette idée, pour comprendre le mouvement des Gilets jaunes, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres de ces révoltes citoyennes, cette idée de rejouer quelque chose, de rejouer un événement historique, d'être l'irruption du peuple souverain, c'est quelque chose dans le Irak algérien qui a été très très important. Hein, l'idée de la révolution d'indépendance a été trahie par le pouvoir, il faut recommencer, hein, et cette fois-ci, avoir son indépendance non pas vis-à-vis de la puissance coloniale qui est la France, mais son indépendance vis-à-vis de l'appareil d'État et de l'appareil militaire pour reprendre sa souveraineté. Donc il y a vraiment cette idée dans toutes ces révoltes citoyennes de recouvrer sa souveraineté, de redevenir le peuple souverain en revenant sur la scène. Bon, là normalement à ce moment-là je passe un peu au précédent historique, mais il faut qu'on ait quand même un peu de temps pour la discussion et je ne voudrais pas vous assommer. Je veux que vous saisissiez juste un peu d'histoire, c'est bien, ok. Que ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de mouvement. Cette remémoration des Gilets jaunes, elle n'est pas juste fantasmagorique. C'est-à-dire que l'histoire des protestations, notamment en France, ont été effectivement l'occasion, à plusieurs moments, d'une résurgence de mouvements qui
on dit être le peuple souverain dans son ensemble, qui on dit reproduire la geste révolutionnaire. Parce que c'est quelque chose qui donne beaucoup de légitimité. Si vous voulez dire être le peuple tout entier, ben, il faut bien vous appuyer sur quelque chose et s'appuyer sur un précédent historique, sur une expérience historique, ben, ça vous donne beaucoup de légitimité, vous montrez que vous êtes le peuple unanime en train de faire l'histoire. Hein? Et ça, c'est un sentiment très fort. On utilise un mot un peu, un barbarisme, mais qui est joli et important, c'est protagonisme. Vous voyez ce que c'est un protagoniste? Ça veut dire un personnage. Le protagonisme, c'est le sentiment d'être en train de faire l'histoire. Et c'est quelque chose qui revenait tout le temps quand on parlait, quand je parlais avec des gens qui étaient dans le mouvement des Gilets jaunes, cette impression et cette fierté d'être en train de faire l'histoire. Hein? Ce sentiment-là, où vous vous rendez compte que vous êtes en train de participer à un mouvement historique, à quelque chose d'inédit, à quelque chose de puissant, bah évidemment, ça vous donne des ailes. Hein? C'est quelque chose qui vous donne beaucoup, beaucoup de force. Donc il y a eu un moment inaugural qui est 1789, avec l'entrée du peuple en politique, la prise de la Bastille, la montée du mouvement sans culotte. Ce mouvement révolutionnaire sans culotte a échoué, mais n'a cessé d'être repris tout au long du XIXe siècle, avec toute une série de soulèvements dans lesquels, à chaque fois, c'était le peuple souverain dans son ensemble qui se soulève en 1830, en 1848, ou pendant la Commune de 1871 à Paris. Et je vais vous parler d'une, parce que c'est une révolution en particulier qui a eu beaucoup d'importance si on veut comprendre, si on veut reprendre cette question de comment est-ce qu'on peut utiliser ces révoltes citoyennes pour revivifier, pour repenser la démocratie. Et cette révolution, c'est celle de 1848. Je ne sais pas si vous avez étudié pas la révolution de 1848 en France. Un petit peu? Bon, ok, alors je vais vous faire très très vite. Un petit peu peut-être. C'est déjà pas rien. C'est une révolution qui est assez importante pour nos histoires de démocratie. Premièrement, parce que c'est la première révolution où le mot démocratie est vraiment rentré dans le vocabulaire. Hein, avec cette idée de « on fonde une république démocratique ». Hein, c'est quelque chose de tout à fait nouveau à ce moment-là. Et la démocratie vient comme une aspiration politique vraiment du pouvoir des citoyens. Une république démocratique, c'est quoi? C'est une république où les citoyens ont le pouvoir. C'est aussi un moment important parce que c'est la première fois qu'il y a un suffrage soi-disant universel. Je dis soi-disant parce qu'il ne vous aura pas échappé que c'était un suffrage masculin. Mais c'est la première fois qu'il y a le suffrage universel masculin en France qui est utilisé. Et là aussi, c'est une révolte citoyenne, une révolte démocratique, et qui va complètement échouer. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'échec, c'est de montrer un petit peu pourquoi ça a échoué, quelques éléments, et puis de voir qu'est-ce que les gens ont fait de cet échec. Et peut-être qu'on va pouvoir s'inspirer de ce que les gens ont fait de l'échec de 1848 pour se demander qu'est-ce qu'on peut faire de l'échec apparent des révoltes citoyennes et du mouvement des Gilets jaunes en particulier. Donc très rapidement, en février 1848, je vous donne quelques éléments, mais ça vous pouvez aller regarder sur Wikipédia ou n'importe où. Février 1848, c'est une révolution qui est la première révolution faite au nom de la République. Hein, vous savez, évidemment, la révolution de 1789, elle n'est pas faite au nom de la République. Personne ne sait ce que c'est qu'une République. Tout le monde s'en fiche et ça reste une monarchie pendant longtemps. La révolution de 1789 ne débouche sur une République qu'après des années et des années de turbulences internes et notamment après la trahison du roi. Mais en février 1848, c'est vraiment une révolution qui est faite au nom de la République et qui donne lieu immédiatement à l'instauration d'une République qu'aujourd'hui on appelle la Deuxième République ou la Seconde République, mais qu'à l'époque ils appelaient juste la République, et qui donne lieu à un double mouvement. Premièrement, je vous le disais, il y a une extension du suffrage, on passe de 200 000 électeurs à 9 millions d'électeurs, hein, donc le suffrage universel masculin est accepté, mais il y a aussi un mouvement citoyen qui naît en 1848 et qui ne désarme pas, c'est-à-dire il y a une insurrection en février 1848, mais les gens restent dans la rue et notamment demandent à pouvoir participer directement au pouvoir, premièrement et principalement au sein de quelque chose qu'on appelle les clubs. Les clubs, c'est quoi? C'est des lieux où vous vous retrouvez le soir, souvent, et où vous discutez. Et un peu comme dans le mouvement des Gilets jaunes, excusez-moi pour cet anachronisme, c'est un ancrage très local, c'est des clubs de quartier. Tout le monde se retrouve avec l'idée de tout le monde est le bienvenu, sans distinction sociale, sans distinction politique, tout le monde peut venir en tant que citoyen ou que citoyenne. Parce que
le suffrage est interdit aux femmes. Par contre, dans beaucoup de clubs, les femmes participent, et voire il y a des clubs de femmes. C'est la preuve, c'est vraiment les débuts du mouvement féministe en France. Vous avez des clubs de femmes, vous avez des journaux de femmes, notamment un journal qui s'appelle La Voix des Femmes, qui est vraiment un journal féministe, qui demande le droit de vote, mais qui demande aussi beaucoup d'autres choses, et notamment la reconnaissance de l'oppression spécifique que peuvent vivre les femmes. Et dans ces clubs émerge peu à peu un programme social qui était déjà présent sur les barricades en février 1848, qui est un programme très simple, qui est résumé dans l'idée du droit au travail. C'est quoi le droit au travail? C'est l'idée que l'État, si vous êtes au chômage, doit vous donner du travail, ou s'il ne peut pas vous donner du travail, au moins vous doit un secours, doit vous donner de l'argent. Ça peut vous sembler être une évidence, mais à l'époque, à Paris en février 1848, il y a 40% de chômeurs. Donc, vous avez énormément de personnes qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas de, il n'y a pas d'assurance chômage ou quoi que ce soit, ils n'ont rien, ils sont dans la misère. Et donc, ils obtiennent le droit au travail, c'est-à-dire, ils obtiennent d'être embauchés par l'État qui lance des ateliers nationaux. En gros, on leur fait faire des trucs, des tâches pas très intéressantes, mais pour 2 francs par jour, ce qui leur permet quand même de vivre et de vivre de leur travail. Et donc, vous avez ces deux mouvements parallèles, un mouvement de démocratisation du suffrage et puis un mouvement de participation directe des gens dans les clubs et puis donc de revendication de démocratie sociale avec les ateliers nationaux. Mais ces deux mouvements s'entrechoquent puisque le 23 avril 1848, ont lieu les premières élections, donc les premières élections de l'histoire de France au suffrage universel masculin, que l'Assemblée qui est élue est majoritairement conservatrice, qu'elle entre en opposition avec le peuple de Paris, avec ce peuple des clubs. Les clubs organisent une manifestation qui envahit l'Assemblée nationale le 15 mai 1848. Je vous ai mis une petite image ici de l'invasion, ce qui donne lieu à ce qui est le signal de la répression, puisque les clubs énormément de clubs sont fermés dans un premier temps, puis l'Assemblée nationale décide de se débarrasser des ouvriers de Paris en fermant les ateliers nationaux, c'est-à-dire en fermant ces ateliers qui donnaient du travail aux gens, et surtout en disant que tout chômeur doit quitter Paris immédiatement ou sera enrôlé de force dans l'armée. C'est-à-dire, dit à 100, il y a à ce moment-là 140 000 chômeurs à Paris, désormais vous devez quitter Paris. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée a peur. Parce que l'Assemblée a peur du peuple parisien qui est là, qui est dans les clubs. Une fois que les clubs sont fermés, ils sont dans la rue, ils discutent. Ça fait très peur aux parlementaires qui donc veulent écarter les ouvriers sans travail de Paris ou bien les enrôler de force dans l'armée, ce qui donne lieu à une insurrection. L'insurrection de juin 1848, puisqu'il y a un soulèvement des quartiers populaires parisiens, des ouvriers parisiens, et que cette insurrection fait l'objet d'une répression assez importante. L'Assemblée nationale fait appel à un général qui revient, qui a été rappelé d'Algérie, où il vient réprimer dans le sang la rébellion, puisqu'on est en plein dans la colonisation de l'Algérie. Ce général, le général Cavagnac, qui vient de massacrer la rébellion algérienne, revient et utilise sur les ouvriers parisiens les méthodes qu'il avait testées en Algérie. Et en quelques jours, on a, on ne sait pas exactement, 3000, 4000 morts dans les rues parisiennes qui sont couvertes de sang, etc. C'est le plus grand massacre que Paris ait connu depuis la Saint-Barthélemy, à ce moment-là. Et évidemment, ce qui est frappant, c'est que c'est un massacre qui est ordonné par la première assemblée élue au suffrage dit universel de l'histoire, de l'histoire de France en tout cas. Donc évidemment, c'est un électrochoc, cette répression de l'insurrection, suite à quoi on a donc l'interdiction des clubs, le retour à l'ordre, le vote d'une constitution qui donne énormément de pouvoir à un président de la République élu au suffrage universel masculin direct. Là, pour le coup, une innovation dans le monde entier. Et en décembre 1848, première élection de l'histoire mondiale d'un président au suffrage universel masculin direct. Et qui est-ce qui est élu triomphalement au premier tour? Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur Napoléon, qui, quelques années après, fait un coup d'État et rétablit l'Empire. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait et quelles leçons peut-on tirer
Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a une révolution citoyenne qui a échoué magistralement. Hein. C'est-à-dire une révolte citoyenne qui repose là aussi sur un programme assez modéré de droit au travail, donc permettre aux gens de vivre de leur travail. Un programme politique visant simplement à demander à ce que l'Assemblée soit sous le contrôle du peuple. Hein. Les gens ne demandent pas une démocratie directe ou quoi que ce soit. Ils demandent juste un contrôle par les clubs sur l'Assemblée. Et ce mouvement-là, dans son opposition avec cette Assemblée, donc avec vraiment cette incarnation de la démocratie au sens électoral, cette opposition est tranchée dans le sang et est tranchée évidemment en défaveur du mouvement citoyen. Donc c'est comme si on avait, je ne dis pas que les Gilets jaunes c'est comme 1848, mais c'est comme une version très édulcorée, vous voyez ce que je veux dire. On a une révolte citoyenne, mais qui n'a pas autant de succès qu'en 1848 et qui subit une répression certes violente, mais évidemment, heureusement, qui ne subit pas autant de morts. Mais malgré tout, on a une révolte citoyenne et puis on a un échec. Et donc, la question se pose de quelles leçons ont été tirées à l'époque. Et c'est sur ça que je voudrais juste finir, si vous me laissez encore quelques minutes. Quelles ont été les leçons? Parce qu'il faut bien voir qu'évidemment, là je vous le raconte, c'était il y a longtemps, mais même il y a longtemps, on est saisi par un peu, j'allais dire l'ironie de l'histoire, non, mais par le côté quoi, une assemblée, la première assemblée suite à une révolution républicaine, une assemblée démocratique qui tue des milliers de personnes à Paris en 3 jours, ça semble complètement fantasque. Hein. Et c'est apparu complètement fou aux gens de l'époque, qui se sont dit du coup, notre but qui était de donner le droit de vote à tout le monde, c'est-à-dire d'avoir une vraie démocratie électorale, bah, ça ne peut pas être suffisant. Parce que même si vous donnez le droit de vote à tout le monde, si ces gens votent pour des députés qui ensuite sont conservateurs et qui décident de massacrer le peuple, qu'est-ce que vous avez comme garantie contre ça? Bah, vous n'avez pas grand-chose. Et donc vous avez toute une série de personnes qui vont se mettre à réfléchir immédiatement après juin 1848 sur comment éviter que ça recommence. Et il y a en gros 3 grandes catégories de solutions qui sont inventées, qui sont pensées à ce moment-là. La première catégorie, c'est de dire que le problème, c'est d'avoir perdu les élections. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait eu une assemblée nationale, une assemblée constituante qui a été élue au suffrage dit universel, c'est que les républicains avancés, les socialistes, on parle à ce moment-là de démocrates socialistes, les démocrates socialistes n'ont pas réussi à être assez forts dans le pays pour gagner, tout simplement. Parce que les conservateurs, c'était facile. Les conservateurs, ils ont toujours eu le pouvoir. Les conservateurs, ils ont l'argent, ils ont les réseaux, donc ils n'ont pas eu de problème pour se faire élire. Les républicains, qu'est-ce que vous faites face à des gens qui ont tous les capitaux, qui ont l'argent, qui ont la réputation, qui ont les journaux, etc. Bah, face à ça, il faut créer un nouveau pouvoir, un nouveau truc, et c'est l'invention du parti. Le parti politique, ça n'existait pas avant. C'est-à-dire, il y avait ce qu'on appelait partis, c'était juste des petits groupes de parlementaires ou des petits groupes de journalistes. Là, les démocrates socialistes ont l'idée de dire il faut qu'on fasse, il faut qu'on prenne comme ce qu'il y avait dans les clubs, c'est-à-dire un truc de participation citoyenne, mais on va appeler ça parti politique et les gens vont s'organiser et on va avoir donc, tout ce qu'on connaît du parti moderne, c'est-à-dire une carte de membre, vous devenez membre d'un parti, vous avez un journal du parti, vous avez des candidats du parti, vous avez un programme du parti. Tout ça, ça n'existait pas avant. C'est quelque chose qui est inventé en réaction à juin 1848 pour éviter, pour dire bah, la prochaine fois qu'il y a une élection, cette fois, on va s'organiser pour gagner. Deuxième interprétation, ça va être celle d'Auguste Blanqui, ensuite celle de Karl Marx. Karl Marx, vous connaissez ce nom, c'est un économiste et philosophe allemand, mais qui est un révolutionnaire très cosmopolite. À ce moment-là, c'est un jeune homme, hein, il a 29 ans en 1848. C'est ça, il a 29 ans en 1848. Il vient à Paris, hein, au moment où il entend qu'il y a la révolution. Il vient à Paris, il regarde ce qui se passe. Il n'est pas là en juin 1848, mais il passe quand même quelques semaines, plusieurs fois à Paris, où il essaye d'organiser un peu les Allemands, les milieux des Allemands de Paris, etc. Bref, et lui, quand il entend 1848, il dit ben, « ce qui a manqué, c'est un parti révolutionnaire. Ce qui a manqué, ce n'est pas un parti politique de masse, etc. Ce qui a manqué, c'est que le prolétariat, c'est-à-dire la classe ouvrière,
en gros, ne se soient pas organisés révolutionnairement, parce qu'ils avaient des armes. Hein. Tous les ouvriers étaient armés, parce qu'ils étaient tous rentrés dans la garde nationale. La garde nationale, je passe un peu vite, ça nous semble très bizarre. Mais à l'époque, c'était complètement absurde de dire « vous vivez en République et le maintien de l'ordre, c'est des policiers ». Il n'en est pas question. Dans une République, le maintien de l'ordre est fait par les citoyens eux-mêmes. Et donc, le maintien de l'ordre était fait par une garde nationale organisée démocratiquement, c'est-à-dire qui élisait ses chefs et où tous les citoyens participaient de droit. Hein ? Il y avait pas, il y avait une police, mais la police, elle était là pour résoudre des crimes. Elle n'était pas là pour demander aux gens leurs papiers dans la rue. Vous comprenez l'idée ? Hein, le maintien de l'ordre était fait par les citoyens eux-mêmes et ça serait apparu complètement fantasque à des gens de dire on vit dans une république où le maintien de l'ordre est fait par de la police. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui est vu comme, comme une possibilité dans une république. Bref, pour Marx, lui, il dit ben, ce qu'il faut, c'est qu'il aurait fallu organiser révolutionnairement les ouvriers, c'est-à-dire créer des partis non pas ouverts à tout le monde, mais des partis spécifiquement pour les prolétaires, qui s'organisent en dehors de la bourgeoisie et qui, ben, au moment de juin 48, auraient pu, face au général Cavagnac, arriver et vraiment mener une guerre, contre lui, hein, ce qui sera beaucoup plus réalisé au moment de la Commune de Paris, vous savez, hein, en 1871, où on a un soulèvement qui est militairement beaucoup plus organisé, notamment parce qu'il s'appuie sur ces leçons qu'en tirent Marx et Blanqui. Parce que le résultat, hein, c'est que Marx, du coup, va travailler dans les décennies qui suivent à répandre cette idée de la nécessité d'un parti de la classe ouvrière, d'un parti révolutionnaire, prolétarien, en devenant notamment le secrétaire général de la première internationale, l'Association internationale des travailleurs. Je ne développe pas sur ça. Et troisième idée, celle-là, elle est un peu différente. C'est en gros ceux qui disent, au fond, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner les élections. Le parti des personnes qui véritablement voudraient l'émancipation du peuple, les citoyens, bah, on ne peut pas gagner les élections et on ne peut pas prendre le pouvoir par les armes, ce n'est pas vrai. L'État sera toujours plus fort et quand bien même on réussirait à gagner, à prendre le pouvoir d'État, à prendre le truc, bah, en fait on se transformerait en un autre pouvoir autoritaire. Et donc ce qu'il faut, et ça c'est la leçon de Proudhon, à ce moment-là, à Paris, il est même député, hein, il est député, élu député en juin 1848, donc dans une élection complémentaire, il est élu député, il siège à l'Assemblée, et c'est un peu le seul à échapper à la répression de tous les socialistes, notamment parce que lui, il était un peu en dehors du coup, quoi. Il était un peu réticent vis-à-vis des options révolutionnaires qui existaient. Et en gros, lui, c'est un peu le seul, du coup, ensuite, à pouvoir prendre la parole à l'Assemblée et défendre les ouvriers parisiens. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut arrêter de s'occuper de l'État. Il faut sortir de l'État. Il faut mener la lutte dans les entreprises et il faut surtout créer quelque chose d'autre que l'État, qui est, en gros, des associations ouvrières, se débarrasser de l'influence des capitalistes, se débarrasser de l'influence de l'État. Il ne faut pas construire des partis, il faut construire des groupes ouvriers qui mèneront la lutte et puis organiseront la production. Et puis progressivement, à mesure que tout ça s'agrossira, bah, l'État va disparaître. Parce que c'est l'État qui a besoin des ouvriers et pas les ouvriers qui ont besoin de l'État. Donc il faut s'auto-organiser et faire quelque chose en dehors. Donc vous voyez, vous avez trois leçons très différentes qui sont tirées de ce mouvement, de cet échec de 1848. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un échec, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et bah, vous avez en gros hein, le parti de masse, qui va quand même plutôt pas mal marcher, puisque cette forme parti politique va se répandre dans le monde entier et va devenir ce par quoi s'organise la lutte politique. Vous avez le parti révolutionnaire, qui a quand même pas mal marché, puisqu'ils ont réussi à obtenir, enfin des partis révolutionnaires communistes ont réussi à conquérir le pouvoir dans une bonne partie du monde au XXe siècle, et aujourd'hui encore, la première puissance économique, ou future première puissance économique, ou deuxième, qui est la Chine, est dirigée par un parti marxiste-léniniste qui a pris le pouvoir par les armes en 1949. Hein. Donc, cette solution a plutôt pas mal fonctionné. Puis la troisième solution, celle de Proudhon, elle a bien fonctionné aussi puisqu'elle a amené à la création, alors avec, évidemment, ce n'est pas quelque chose de direct, hein, mais elle a progressivement amené à l'idée
de l'organisation du mouvement syndical. Et le mouvement syndical, vous le savez, a vraiment transformé hein, la manière dont il gérait l'économie dans les pays qui ont des syndicats. Donc, je me demande s'il n'y a pas un... Donc, si vous voulez, ces mouvements, ces trois directions-là, elles ont un peu réussi. Hein. C'est-à-dire que les leçons du passé, elles ont marché au sens où ces formes d'organisation, elles ont donné des fruits. Le problème, c'est qu'elles ont peut-être trop bien marché. Parce qu'aujourd'hui, elles sont totalement intégrées au système. Dans le cas du parti politique, on voit bien aujourd'hui que ce n'est plus quelque chose qui fait rêver. C'était révolutionnaire il y a 150 ans. Mais maintenant, c'est inséré au système. Donc ça ne peut plus vraiment être le support d'une révolution citoyenne. Les syndicats, c'était révolutionnaire il y a 150 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment intégré au système. Ils font partie de la gestion économique. Et donc, quand vous avez une révolte citoyenne, bah, vous n'allez pas vous appuyer sur des syndicats. Et pour ce qui est du parti révolutionnaire, on peut dire que là, ça a tellement bien marché que l'État a vraiment dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour se prémunir de toute révolution violente et de toute prise du pouvoir. Ce serait très, très compliqué d'imaginer aujourd'hui prendre le Palais d'Hiver ou prendre l'Élysée et y installer un pouvoir révolutionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? C'est, première chose hein, que je me suis un peu éloigné, me suis un peu promené, c'est quand même de dire que la résurgence des révolutions citoyennes au nom du peuple souverain, c'est pas rien. C'est une vraie clé pour essayer de repenser ce que peut être la démocratie sans que ça passe simplement par « bon, ben, les enfants, il faut aller voter », etc., qui n'est pas un discours qui va vraiment revivifier quoi que ce soit. Hein, ces révoltes citoyennes, c'est des révoltes qui ont eu un programme assez modéré, mais un programme de rénovation démocratique, à la fois en matière politique et en matière sociale, dont on peut peut-être s'inspirer. Et c'est d'autant plus le cas hein, quand il s'agit de révolutions, de révoltes citoyennes qui ont réussi, comme la révolution tunisienne, mais avec un danger. Hein. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité tunisienne, mais c'est un pays qui a connu une révolution donc, en janvier 2011, ensuite qui a connu un développement politique tout à fait passionnant, avec plein de gens qui rentrent en politique, des listes citoyennes qui, aux élections municipales de 2013-2014, passent devant tous les autres partis, enfin bref, une mobilisation citoyenne intense, et qui a fini, vous le savez, avec un coup d'État en juillet 2021, un coup d'État du président élu, Kais Saied, et ensuite hein, la suspension donc la suspension de l'Assemblée, la suspension de la Constitution, et aujourd'hui, il y a eu des élections, ces derniers mois, il y a eu le deuxième tour des élections, je pense la semaine dernière, on est passé de 80% de participation électorale juste après la Révolution à 10% de participation électorale, la plus faible participation électorale de toutes les démocraties au monde. Donc, ça veut dire une révolution citoyenne, même si elle fonctionne, elle réussit à mettre à bas une dictature, elle réussit, parce qu'en Tunisie, je ne rentre pas dans les détails, mais le peuple a continué à mettre la pression pour être sûr que la révolution ne soit pas confisquée, mais malgré tout, le risque est toujours présent qu'une personne comme un Bonaparte ou un Kais Saied vienne et s'empare du pouvoir et s'empare de la mobilisation populaire et l'étouffe. Avec, donc non pas, il n'y a pas de garantie de ce qui peut faire que les révolutions citoyennes nourrissent la démocratie et la revivifient, mais en tout cas une nécessité, si on prend l'exemple de 1848, ce qui a marché, c'est quand même fondamentalement que les gens se sont organisés. Se sont organisés selon des formes qui étaient à ce moment-là nouvelles. On su inventer des nouvelles formes d'organisation. Hein. Et l'enjeu, c'est ça, et c'est peut-être ça qu'on a du mal encore à voir aujourd'hui, parce qu'on est né dans le guidon, quelles nouvelles formes d'organisation peuvent naître de ces révoltes citoyennes des années 2010, peuvent naître et peuvent véritablement transformer et changer la démocratie. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Il y a des gens qui essayent. Hein. Si je fais un peu l'analogie, donc qu'est-ce qui serait l'équivalent du parti de masse des démocrates socialistes adapté au monde moderne? Bon, c'est un peu ce qu'a essayé de faire la NUP, la France Insoumise, etc. C'est-à-dire, vous savez, la France Insoumise, ce n'est pas un vrai parti. C'est-à-dire que vous n'êtes pas membre de la France Insoumise, il n'y a pas d'adhésion, etc. Et l'idée des gens de la France Insoumise, c'est que c'est plus adapté à la modernité. En gros, vous cliquez sur un bouton et vous êtes membre de la France Insoumise. Les gens, ils n'aiment plus payer des adhésions, etc. Bon, peut-être que c'est une nouvelle forme
qui va fonctionner ou qui va se développer. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Parti révolutionnaire, ça, je vous ai dit, c'est compliqué d'imaginer prendre le pouvoir central. Par contre, il y a des expériences au Chiapas, hein, au Mexique, où, dans le cadre de la révolution syrienne et la guerre civile syrienne, dans une partie du pays où les Kurdes sont majoritaires, on a des moments de sécession, c'est-à-dire des parties du territoire qui décident non pas de prendre le pouvoir central, mais de faire sécession, de se séparer du pouvoir central et de s'auto-organiser, de réorganiser un État, si vous voulez, mais en dehors de l'État dominant. Ça pourrait être aussi quelque chose comme une solution. Et enfin, pour le syndicalisme, puisque clairement aujourd'hui, un des problèmes du syndicalisme, c'est que seule une très très petite fraction de la population est syndiquée et représentée syndicalement, peut-être qu'il faut imaginer des nouvelles formes d'organisation des travailleurs et des travailleuses qui ne soient pas centrées seulement sur l'entreprise, qui soient adaptées aux nouvelles formes de travail, aux nouvelles formes de salariat. Bon, tout ça, c'est très, évidemment, c'est très prospectif et il n'y a rien du tout qui est une chose. Mais en tout cas, il y a besoin, si on veut penser ce que peut être, et je finirai sur ça, une revivification démocratique qui s'appuie sur les révoltes citoyennes, de se demander, en gros, comment on s'organise après le semi-échec de toutes ces révoltes qui sont malgré tout des porteuses d'espoir et porteuses d'espoir de renouvellement de la démocratie. Je vous remercie.